faisant, c'est une dame norvégienne. Tandis que nous avons sur la glace Christine Errath, première actuellement au classement et qui entend bien conserver cette place. Axel de jolie facture, triple boucle que l'on annonce dans les couloirs. Aïe, 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 elle l'a eu, et il est rarissime qu'une jeune fille fasse une triple boucle, nous en parlerons tout à l'heure. Que c'est joli tout ça, que c'est joli tout ça. Double Axel qui ne demande rien à personne. Un final de toute beauté, double flip saut écarté, double boucle piquée, maintenant cette pirouette. Eh bien, l'Allemagne de l'Est n'a pas été longue à retrouver le successeur, la successrice de Gabi Zaeffert. Je ne pense pas que Mademoiselle Christine Errath, qui est terriblement applaudie par le public, puisse voir échapper le titre qu'elle a conquis l'année dernière après une progression foudroyante en un an, puisque 15e ou 16e, quelque chose comme cela, il y a deux ans, elle était déjà 3e l'année dernière, et qu'après l'exhibition que nous venons de voir, je pense que l'an prochain, elle ira réellement au sommet. Votre avis, Madame Georgelin? J'ai trouvé l'exhibition magnifique.
La triple boucle piquée magnifique. Du début était formidable. Formidable. Il est rare que les filles le fassent. Et puis tout, c'est très rare. Les Canadiennes, il y a juste une Canadienne, Nightingale qui fait le triple salchow. Et en Europe, Mademoiselle Morgenstern, elle ne patine plus. Elle ne patine plus, elle le faisait. Elle a été la première même à faire du triple saut. Quand on pense, mon Dieu, que la technique du patinage va vite, que je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, quand Calma faisait un triple saut, on s'extasiait. Rappelez-vous à Lyon, au championnat du monde, il y a 2 ans, quand Patrick Perrin a fait une triple boucle piquée à la 50e seconde ou à la 60e seconde pour tenter de remporter le titre de champion du monde, il l'a raté, il est tombé. Vous jugiez ce jour-là, oui, non? Oui, je jugeais. Oui, je vous souvenez quand il est tombé, oui, on a poussé un cri. Oui, je me souviens très bien. Oui. Et déjà, les filles font les mêmes triples boucles et les réussissent. Oui. Combien donneriez-vous? Oh, au moins 5-8 en technique. Je pense qu'ils vont donner au moins 5-8. 5-8 ou 5-9. 5-8 et 5-9, vous avez raison, mon cher juge. 5-8 et 5-9, 2-5-8 et 7-5-9. Le titre lui est absolument acquis. Assuré, 2 points. Assuré. Oui, 2 points. Elle sourit, elle est contente. Elle a ce que l'on appelle, elle en pleure. Elle a joué de vivre sur la glace, surtout. Oui, sur la glace. Et alors là, elle a un bon visage de bonne fille, bien saine. Quel âge a-t-elle? Je ne sais pas, je crois qu'elle doit avoir 17 ou 18 ans, pas plus. Comment expliquez-vous ces progrès foudroyants d'une fille en 2 ans, alors que d'autres plafonnent? Je pense qu'elle travaille énormément, peut-être davantage que les autres. Et en artistique, combien lui donneriez-vous? En artistique, peut-être un peu moins. Parce que nous, ils ont mis la même note. Non, vous avez raison, il y a un peu moins, car il y a un petit peu moins. 5, 5, 8 et 4, 5, 9. Il y a effectivement 2 dixièmes de moins au total. Vous avez l'œil. Un peu moins. Eh bien, elle est certainement championne d'Europe, mais je voudrais dire une bonne nouvelle aux téléspectateurs français. Mademoiselle Marie-Claude Pierre, dont on disait qu'elle serait 14e ou 13e, va vraisemblablement finir 12e, si les calculs que j'ai pu faire...